Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans et je suis du Bas-Rhin. Donc cette chaîne est dédiée aux arts laineux, aux arts du fil, essentiellement tricot. De temps en temps, vous verrez d'autres choses. Actuellement, plus de couture puisque je ne peux plus coudre, tout simplement. Je ne peux plus utiliser ma machine à coudre. J'en ai deux, une plus récente et une un tout petit peu moins récente puisqu'elle a le même âge que ma mère. Toutes les deux des singères. Je suis maman d'une demoiselle de 14 ans. Je suis paxée, je suis comptable RH et je suis malentendante. Donc je suis appareillée des deux côtés et j'ai d'autres soucis de santé. Donc je marche avec deux béquilles. J'ai des difficultés à marcher actuellement. Je ne peux plus conduire. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'organise des cafés-thé laineux au domaine des Bufflones un samedi sur deux. Le samedi après-midi au domaine des Bufflones à Urvillers. Ça fait pratiquement 2 ans que j'organise ces après-midi-là. Donc je dis maintenant café-thé laineux. Comme ça, ceux qui font du crochet ne se sentent pas exclus par rapport à tricoter ou quelque chose comme ça, quoi, hein. Donc café-thé laineux, comme ça, ça englobe tous les arts du fil. Donc moi, j'aime tricoter, j'aime filer avec un fuseau. Je n'ai pas encore de rouée. Je verrai peut-être que pour mes 45 ans. Voilà, j'ai commandé à mon mari. Bon, je suis désolée, il y a des mouches. Hein. Pardon, excusez-moi. Peut-être que pour mes 45 ans, oui, j'aurai un fuseau. J'ai déjà envoyé la photo à mon mari, machin, de ce que je voulais, sur quel... voilà, enfin, je ne vous dis pas... comment dire, j'ai bien expliqué, voilà ce que je voulais, tout en détail et tout. On verra s'il a compris. J'ai bien mis, hein, quand j'ai envoyé tous les liens et tout, j'ai dit pour mes 40, et donc les photos, hein, pour être sûr, pour mes 45 ans ou alors mes 50 ans, ça te laisse le temps d'économiser. Ah, lui, la question, c'était même pas économiser, c'était... enfin, si, ça coûte cher déjà, extrêmement cher. Hein, et, mais on va encore mettre où, ce truc-là? Non, mais t'as vu la place que ça prend? Mais tu vas encore le ranger où, ce truc-là? Non, mais t'as déjà pas assez de laine à la maison? T'as de la laine partout? Je n'ai pas de laine partout. Ce n'est pas vrai. J'en ai dans le salon, puisque je tricote, donc forcément, là où je suis tout le temps, j'en ai. J'en ai dans ma chambre. Et j'en ai dans la chambre du fond, en bas dans la cave. Donc j'en ai pas partout. Il n'y en a pas dans la salle de bain, il n'y en a pas dans la cuisine, il n'y en a pas dans la chambre de ma fille, il n'y en a pas dans la cave à bois. Voilà. Et il n'y en a pas dans le grenier, puisqu'on n'a pas de grenier. Voilà. Donc il n'y en a pas partout, on est d'accord. On est d'accord. Hein? Et puis en plus, j'ai essayé de ranger. J'ai liquidé une partie de mon stock de tissus, voilà, essentiellement du jersey. Et donc, j'ai pu ranger de la laine à la place, puisque de toute façon, je ne peux plus coudre. Alors, j'espère pouvoir coudre, hein, dans un futur relativement proche. Maintenant, le relativement proche, hein, à ce jour, je ne peux pas vous dire quand ce sera. Donc, plutôt que les tissus dans chez moi pour rien du tout, que ça n'avance pas, je me suis dit, hop, je vais les donner à quelqu'un qui va les utiliser, qui a des enfants, qui, voilà. Et comme ça, au moins, ce sera utilisé, ça servira. Oui, désolée, les mouches, elles volent. Je ne sais pas ce qu'il y a cette année, mais je n'ai jamais eu autant de mouches. Pourtant, il y a un temps. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Il y a un temps de mercredi et on a quand même des mouches. Je veux bien que j'habite un petit village et qu'il y a beaucoup de vaches. Mais quand même, j'en ai jamais eu autant. On ne sait même pas par où elles rentrent. Enfin bon, bref. Énervant. J'en étais où? Est-ce que je me suis présentée complètement? Oui, bon, c'est pas grave. Sinon... Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, sous l'univers de Pénélope.
sur Ravelry sous Céline Tricotzen. Alors sur cette chaîne, vous verrez très peu d'acrylique parce qu'en fait, quand je tricote de l'acrylique, ça me gratte la gorge, ça me fait tousser, enfin c'est vraiment très désagréable. Donc j'utilise en laine donc de l'haricot, de la drops. Donc actuellement, je tricote pas de drops, je n'ai rien en drops actuellement. Qu'est-ce que je tricote actuellement? De l'atelier teinture, de la maman cœur de guimauve. De l'haricot et de l'association Flora et de la Féfil. Voilà, c'est ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Donc, oui. Non, c'est bien. C'est bien, on va dire. Est-ce que je vous ai parlé des tricots, des cafés, thé, les nœuds? Je crois. Je suis plus sûre. Je me souviens plus en fait de ce que je vous ai raconté déjà. Magnifique. Bah, ça commence bien, ça promet. Je sais déjà même plus ce que je vous ai raconté. Bon, c'est pas grave. Vous savez que je m'appelle Céline, c'est déjà un bon début et que ici, ça sera essentiellement du tricot. Donc, je poste toutes les semaines un vlog ou alors un podcast, ça dépend. Aujourd'hui, j'ai du café, pas du thé parce que. Alors, aujourd'hui, on est mardi. D'habitude, je filme le lundi. Mais hier, j'ai pas pu. Donc, aujourd'hui, on est mardi 11 juin. Joyeux anniversaire Karima. Il est midi 43, donc comme je suis toute seule, ben, je vais manger, machin. Et donc ça, c'est mon café. Donc mon café, moi, c'est du Nespresso Voluto. Donc ma cafetière Nespresso, elle date de... Elle a 19 ans, je crois, ma cafetière. C'est une Magimix. Une M100, je crois. Je l'avais acheté quand BHV a fermé à Strasbourg. Il a fermé quand? Je ne me souviens plus. Elle doit avoir 18 ou 19 ans, ma cafetière. Donc ça va, je suis plutôt économe. Hein. Comme mon frigo, il date de 2005. Mon sèche-linge, il date de 2003. Ouais. Frigo 2005, sèche-linge 2003. Le lave-vaisselle et le lave-linge sont plus récents. Ouais, j'ai quand même des trucs, des choses qui datent. Hein. J'ai quand même des choses qui datent pas mal. Ça va, on y fait attention. Bon, je vais déjà me relever parce que je glisse. Donc aujourd'hui, je porte mon châle Uno de By Night, hein, Nathalie By Night. Donc je l'ai tricoté avec un écheveau de Windorf qui est un mélange de laine, de soie, et de je ne sais plus quoi. Bon, il est vraiment magnifique ce châle, hein, j'adore le porter. Actuellement, en fait, les deux châles que je porte tout le temps, c'est soit ce Uno, soit le châle solaire. J'avais fait l'année dernière en MCAL, là. Le MCAL châle solaire de Noémie, You Need to Learn. J'avais utilisé un écheveau de Tencel que j'avais teint avec la teinture végétale de l'écheveau solidaire. Voilà, j'avais acheté le kit chez l'écheveau solidaire l'année dernière. Et donc là, aujourd'hui, alors ça aussi, entre il fait beau, il fait pas beau, il fait 17 degrés, donc c'est pas excessif pour un mois de juin. Ça me fait tout bas pour un mois de juin. Et là, il y a de nouveau, on voit un petit peu de ciel bleu de nouveau. Donc je fais attention parce que j'ai mon linge dehors. Hein, et si jamais il se met à pleuvoir, je ne veux pas qu'il soit mouillé, mon linge, parce qu'il est pas sec. Mais enfin, il est plus près d'être sec que de sortir de la machine. Hein, parce que je l'ai sorti ce matin, 7h30. Depuis 7h30 ce matin, il est dehors, mon linge. Bon. Il a une meilleure odeur quand il sèche dehors que quand il sèche dedans. Voilà. Comme ce matin, quand je l'ai sorti, il faisait encore un peu humide, machin et tout. C'est sûr qu'il n'a pas séché. Mais bon, je me suis dit, je le sors tout de suite, comme ça, c'est fait. Voilà. Et on a passé 10 minutes et j'ai fait que vous papoter, j'ai rien montré. C'est pas grave, ça le fait aussi, vous inquiétez pas. Bon. Alors, par quoi je commence? Allez, on va commencer par celui-là qui est déjà dehors. Donc.
je fais le test du châle Solaris, voilà, de Christelle Nioul. Donc là, je suis encore dans la partie mosaïque. Donc ça donne ça sur l'envers. Voilà, c'est a priori le jacquard des feignasses, a priori. Donc en fait, on tricote un rang aller, un rang retour dans une couleur, en faisant glisser les mailles qui doivent être dans l'autre couleur. Et ensuite, avec l'autre couleur, on fait un rang aller et un rang retour en tricotant les mailles qui ont été glissées la fois précédente, dans les rangs précédents. Voilà. Donc ça donne, on dirait un jacquard, mais ce n'est pas un jacquard. Donc là, je suis dans le premier motif de chevron. Et je vous avoue que là, mon matériel que j'avais acheté l'année dernière au Festival Bredslen, mais super utile. Donc là, en fait, je l'ai posté là, je l'ai mis là-dessus. Comme ça, je peux voir avec la réglette où j'en suis. Et au fur et à mesure, je monte. Et franchement, c'est super pratique. Je le pose là sur la petite table et puis je regarde. Donc voilà, ça c'est mon châle Solaris. Donc les laines, ce sont des laines de chez ma copine Maman Cœur de Guimauve. Elle n'a toujours pas donné de nom à sa base. Voilà. Donc Séverine, il faudrait que j'ai quand même un nom à la base. Hein, sinon, moi, j'en mettrai un au pif dans Ravelry. Hein. Je vais te mettre un truc, tu vas voir, tu vas pas aimer. Mais non, je rigole. Mais ouais, je vais mettre un truc sinon. Donc là, j'ai mis. Donc, bah, vous pouvez voir, depuis la semaine dernière, je vous l'ai montré, j'ai tricoté tout ça, en fait. Voilà. J'ai tricoté tout ça depuis la semaine dernière. Donc là, j'ai presque 300 mailles sur l'aiguille, je crois. Voilà. Il est vraiment beau. Vraiment, je trouve que les couleurs se marient vraiment bien ensemble. Donc ça, c'est un mélange de laine, nylon et lurex. C'est bleu minuit. Et ça, c'est safran. Oui, safran. Alors, je vais vous dire honnêtement. Quand je le tricote, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous allez me prendre pour une cinglée. Hein. Miel Pops, nam nam miam. Cette couleur-là. À chaque fois que je tricote ce truc, j'ai l'impression de voir des Miel Pops. Voilà. Je sais, c'est complètement con. C'est l'impression que j'ai. Parce que regardez, c'est quand même la couleur du Miel Pops, non? C'est pas la couleur du Miel Pops? Enfin, j'en sais rien, je connais pas, j'en mange pas, donc je peux pas vous dire. Donc, d'après ce que je vois à la télé, j'ai l'impression que c'est la couleur, quoi. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression de voir des Miel Pops, ou alors du maïs, des trucs de maïs. Je sais pas. Bon, c'est psychologique, hein. C'est des jolies couleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble, elles sont lumineuses. Celle-là, elle est vraiment très, très lumineuse. C'est très, très lumineuse, hein. Ça fait vraiment très, très beau. Moi, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. J'avoue que j'ai pas tricoté ou très peu samedi. Samedi, ouais. Parce qu'en fait, samedi, on a été de sortie pendant environ 2 heures. Bon, il m'a fallu l'après-midi pour en mettre. Hein. Voilà. Parce que le matin, on avait fait les courses avec mon mari, comme on fait d'habitude. Hein. Donc, on va à la ferme Vechter à Aubermoderne. Ensuite, on va à la ferme Ehrenstein à Neuwiller. Ouais, Neuwiller-lès-Saverne. Ensuite, on va à Rothbard. Sur la place, il y a les jardins du Vassarlore qui sont là le samedi matin. Et on va aussi dans le village. On a une petite camionnette, hein, donc les gens habitent dans le village, c'est la boucherie Adolphe, donc chez René et Edith, hein, voilà. Donc on va là-bas chercher notre viande, voilà, tous les samedis matins, donc voilà. Voilà, c'est notre petit tour, et la boulangerie à Urvillers, hein, qui, voilà, sur le passage aussi, voilà, chez Bénédicte, et André, je crois, moi je connais surtout Bénédicte. Voilà, j'ai commandé d'ailleurs ce matin un gâteau pour la fête des pères, puisque dimanche c'est la fête des pères.
parce que j'ai dû déposer un colis. Elle fait aussi shop to shop là, René Crepeau ou je sais pas quoi là. Donc ce matin, j'ai dû déposer un colis. Bon, je vous rassure, c'est léger parce que si c'est lourd, moi je dépose plus. Hein. C'est mon mari ou ma fille, mais moi pas. Et j'ai récupéré deux choses que je vous montrerai après. Qui concerne le tricot. Et donc on en revient juste à mon châle Solaris. Donc j'utilise des aiguilles. Donc avant j'avais des aiguilles Xiaogu 3,75. Là je suis passée sur du 4. Toujours sur du Xiaogu. Comme dit, je remplace toutes mes aiguilles. Donc moi j'avais un kit Knit Pro Symphony que j'ai depuis des années, hein, pratiquement 10 ans. Avant ça j'utilisais les vieilles aiguilles fil d'art là où ça restait accroché ici là. Alors le mieux c'était quand il y avait. Il y a quoi? Il y a ouais, 16-17 ans. Il y avait la laine chenille chez fil d'art. Alors, avec les vieilles aiguilles fil d'art, là, où tu avais la moitié de la laine qui restait accrochée, là, à la jointure. Man, ah, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Donc là, non, je remplace tout par des aiguilles fixes. Je n'utilise plus d'aiguilles interchangeables. Alors, certes, ça fait vraiment un gros stock d'aiguilles. Hein, je ne vais pas vous mentir. Ça fait vraiment un gros stock d'aiguilles. Mais. Au moins, j'ai plus de problème de l'aiguille se dévisse, machin, un truc. Non, j'ai plus ce souci-là. Je suis plus obligée de revisser toutes les 5 mailles. J'ai plus de trucs qui restent coincés ici. Donc, notamment quand je tricote de la fluffy ou du mohair, enfin, des trucs à poil, quoi, ça reste pas coincé ici. Enfin, c'est vraiment beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc voilà, je remplace tout au fur et à mesure par du Xiaogu. D'ailleurs, Séverine vend maintenant sur son site internet des aiguilles Xiaogu. Ouais. Elle a des mini circulaires en 2,5. Elle a des aiguilles 23 cm en 2,5 pour tricoter les chaussettes. Et après, elle a aussi beaucoup. Donc ça, c'est des Xiaogu. Et sinon, elle a aussi du Knit Pro Zinc. Voilà. Bon, moi, je vous avoue, maintenant, je passe tout en Xiaogu. C'est pas que. Voilà, c'est juste que j'apprécie vraiment de tricoter avec ces aiguilles. J'ai des Yaya aussi, des Yaya Sharp. Les Yaya Sharp, franchement, là où c'est chouette, c'est quand vous tricotez une dentelle avec. Parce que le fait que ce soit bien pointu et selon le fil que vous tricotez, vous prenez vraiment bien tout le fil. Enfin, c'est sympa. Bon, après, par contre. Ça fait mal aux doigts. Hein. Au début, quand je les utilisais, punaise, j'avais les doigts en sang. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ah, ces doigts-là. Voilà. Bon, maintenant, j'ai toujours là, j'ai de la peau dure. Là, j'ai de la peau dure. Là, j'ai la peau qui commence à devenir dure. Là, j'ai de la peau dure. Voilà. Ça. Voilà, c'est le métier qui rentre. Hein. C'est pas grave. C'est le métier qui rentre. Là, c'est même quand je coupe le matin mon kiwi, le couteau reste accroché ici. Voilà. Donc, je me coupe pas dans le doigt parce que le couteau reste accroché ici. Donc, oui, mon petit Solaris. Donc, le patron devrait sortir mi-juillet. Mi-juillet, ouais. Après, j'ai postulé encore pour un autre châle chez quelqu'un d'autre. Je verrai si je suis retenue ou pas. Si je suis retenue, c'est bien. Si je ne suis pas retenue, ben, c'est pas grave non plus. Ça ira aussi. De toute façon, j'ai d'autres projets en cours. Voilà, c'était pas prévu. Mais le truc me plaisait pas mal. Et je me suis dit, hop, vas-y, Céline, lance-toi. Pourquoi pas? Ça, c'est fait. Je vous ai montré donc mon Solaris. Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand c'est pas des laines poilues. Quand vous devez détricoter, mais qu'est-ce que c'est vachement mieux. Parce que quand c'est des trucs poilus, ça marche aussi, hein, je veux dire, ça le fait aussi, hein, mais voilà, c'est qu'il y a des poils partout et donc ça reste un peu plus accroché. Donc, maintenant, je vais modifier mon petit marqueur. Donc, il était là. Je vais le changer de place. Voyons voir. Voilà. Ouh! Voilà. J'ai changé mon marqueur de place. Et si j'avais mis à l'endroit, ça aurait été mieux, non?
Voilà, j'ai changé mon petit marqueur de place. Donc pareil, il vient de chez Maman Cœur de Guimauve. J'aurais dû... Il va pas tenir là. Ça va être... C'est un petit refil, c'est tout ce que ça va faire. Oh. Voilà. Hop. On va le foutre là. Alors, toujours, c'est dans... Donc on va la mettre dans ce sens là. Comme ça, tu vas pas m'embêter, toi. Voilà, je l'ai mis à un autre endroit parce que sinon ça me tirait le fil. Donc, bah normalement je retourne demain. Donc demain vous pourrez voir les progressions que j'ai faites. Puisque aujourd'hui j'ai décidé que je ne tricoterai que ça. Normalement. Sauf ce soir, on va dire, quand je suis un peu plus fatiguée le soir, qui fait nuit. Alors je tricoterai la chaussette. Bon, hier soir, je vous avoue, je n'ai pas fait grand-chose sur la chaussette. Hein, j'étais trop KO. Trop chaos pour ça. Et donc pour le moment, je l'ai mis là-dedans, dans mon petit pochon que j'ai eu pour mon anniversaire de Martine. Donc je vous montre juste, j'ai encore un écheveau de safran. Donc c'est 100 grammes 400 mètres, 71% laine, 24% polyamide, 5% lurex. Donc là, ils sont encore en écheveau. Comme je les utilise pas encore, je ne les mets pas encore en cake. Ça, je voulais montrer. Banzaï. Il y a quoi là-dedans? C'est quoi ça? Ah non, c'est autre chose. Ensuite. J'ai bien travaillé aussi, sauf que j'ai pas mis de marqueur. Mais j'ai bien travaillé sur... Mon Arnaud Séris, c'est un top d'été de Christelle Nioul, Christelle Elka Design. Donc avec un motif d'aster. Et il me semble que j'en étais... Je sais plus, je devais être là dans ce motif-là, celui-là. Et j'ai déjà tricoté, là je suis dans le deuxième. Non, j'en étais plus haut. J'en étais plus haut, j'en étais là. J'en étais là, donc j'ai tricoté tout ça là. Ça fait quand même quelques rangs. Et je suis en train de tricoter. Je suis en plein motif d'aster. Donc là, j'utilise un écheveau de base estivale de chez l'atelier Teinture que j'avais acheté l'année dernière au festival Bretzlen, donc en 2023. D'ailleurs, le festival cette année aura lieu en février. Voilà. Est-ce que... Voilà, je fais juste mon motif d'aster. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et voilà. Donc là, je viens de faire un motif d'aster. Et ensuite, je continue mes 5 mailles. Est-ce que c'est juste? Oui. Oui, 3, 4 et 5. Et ensuite, on refait un motif d'aster. Alors, le seul truc, c'est que le rang précédent, il faut vraiment penser à être assez souple, hein. Parce que sinon, ça pose de réels problèmes, hein, pour faire le motif, hein. Parce que si vous n'avez pas été assez souple le rang précédent, vous aurez des soucis. Parce que vous aurez mis du mal à passer l'aiguille. Il faut piquer l'aiguille, en fait, dans 5 mailles en même temps. Donc je pique, j'écarte un peu les mailles, je vérifie bien. Il y a bien 5 mailles. Je vérifie juste.
Il y en a bien 5. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je pique dedans et je fais 5 mailles dans ces 5 mailles tricotées ensemble. Donc une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille. Donc il y a 3 mailles et 2 jetés. Voilà. Et ensuite, ben je continue. Donc 5 mailles en droit standard. Et on recommence avec un motif d'aster. Voilà. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est un top que franchement. Alors, je me suis dit, je vais pouvoir le porter, mais au final, quand je vois le temps et qu'aujourd'hui, en fait, j'ai froid, je me dis, mince, c'est quand même pas normal. On est donc le 11 juin et j'ai froid. C'est quand même magnifique, quoi. Alors, il fait pas assez froid pour allumer le poêle. Fort heureusement, ça serait grave. Mais j'ai pas chaud. Donc, je garde toujours un truc autour du cou, histoire de pas tomber malade. Et bon, bah le tricot, je dois dire, là, c'est vraiment pas un temps où on peut dire, ah non, il fait trop chaud pour tricoter. Hein, on transpire pas quand on tricote, là, hein, je peux vous rassurer. Voilà. Et de nouveau, un petit motif d'aster. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se tricoter des tops d'été pour cet été? Bon, enfin, bon, bref. Parce que je me dis, mince, on est bientôt le 21 juin, les jours vont bientôt de nouveau diminuer. Et nous n'avons toujours pas vu le soleil. Il se cache, il ne se présente plus, je pense qu'il a décidé de partir. Donc ça, voilà, c'est mon Arnaud Séris. Donc l'atelier teinture, c'est du... J'en ai un exemplaire ici. C'est la base estivale. Donc 70% bambou, 30% lin. C'est du 100 grammes 400 mètres et c'est les coloris pivoine. Et donc il me reste 2 échevaux comme ça. J'en ai un là et je dois en avoir un dans l'autre sac. Donc il me reste ça sur les chevaux que j'ai en cours. Et à l'endroit, ce serait mieux. Donc à l'arrière, vous faites des rangs raccourcis. Voilà. Et là, bah, vous continuez. Hein. Donc, au départ, vous avez un motif d'aster sur 3 mailles. Ensuite, vous passez sur un motif d'aster sur 5 mailles. Là, je suis dans le deuxième motif d'aster. Donc, c'est un motif d'aster sur 5 mailles avant le troisième rang d'augmentation. Donc, après, je vais de nouveau un rang d'augmentation. Ça, vous savez tout. Donc, c'est des aiguilles Xiaogu en 3,25. Les petits embouts, c'est des embouts de chez Maman Cœur de Guimauve. Et. Le marqueur de début de rang, c'est un marqueur qui vient de chez Le Repère des Tricopines. Voilà. Donc mon Arnaud Séris, donc c'est un patron de Christelle Nioul, donc Christelle Elka Design. Donc vous aurez remarqué, j'ai 2 patrons de Christelle sur mes aiguilles, sachant que le Férimis que j'ai terminé de tricoter là fin mai, début juin, pardon, c'est également un patron de Christelle Nioul. Donc ils sont vraiment bien faits ces patrons, j'aime beaucoup, ils sont bien rédigés, on comprend et si jamais on ne comprend pas, on demande à Christelle et elle nous répond, c'est pas un problème. Donc ça c'est fait. Donc vous avez vu, j'ai quand même pas mal avancé et je continue à avancer parce qu'en fait là je suis vraiment sur une partie, on va dire entre guillemets, pour moi c'est 5 mailles en droit. 5 mailles motif d'aster, 5 mailles en droit, 5 mailles motif d'aster. Ensuite, j'ai des rangs de mailles en droit. Et ensuite, j'ai des rangs où c'est 5 mailles en droit, 5 mailles en vert, 5 mailles en droit, 5 mailles en vert. Donc, il n'y a pas énormément de réflexion à avoir. Donc, ça, j'arrive à le faire sans souci. Voilà. Ensuite, là où j'ai un peu plus avancé. Oh, bah décidément, ça veut pas. Elle est où la deuxième aiguille? Là.
C'est sur les chaussettes. Oh là là, le chantier. Oh là là. C'est sur les chaussettes. Donc, ce sont des Everyway Socks en taille 35. C'est pour ma belle-mère. Voilà. Et j'ai fait une longue tige parce qu'elle aime bien avoir des longues tiges. Voilà. Il me reste ça sur la pelote. Donc, j'utilise l'intérieur et l'extérieur de la pelote. Et là, je pense que je vais encore faire un ou deux rangs de jersey. Et après, je commence les côtes. Et puis, je liquide tout le reste de la pelote. Hein, et puis, salut. Voilà. Donc, il y aura exactement le même nombre de mailles puisque je tricote les deux chaussettes ensemble sur la même aiguille. Donc, les deux auront exactement le même nombre de mailles puisqu'elles sont tricotées ensemble. Donc, la première chaussette, celle-ci, elle est tricotée avec le fil de l'extérieur. Celle-ci, elle est tricotée avec le fil de l'intérieur. Et vous voyez, celle-ci, elle a beaucoup plus de taches foncées que celle-là. Ça se voit aussi bien à l'arrière. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Donc, celle de l'extérieur, elle est beaucoup plus claire que celle de l'intérieur. Celle de l'intérieur a beaucoup plus de taches foncées. Bon, c'est pas grave. J'ai commencé par la pointe, comme à chaque fois quand je tricote les deux ensemble. Et voilà, ça m'a permis en fait de. Je liquide. En fait, je lui dis, je vais essayer de liquider tout ça, quoi. Voilà. Et donc, j'ai tricoté tout ça depuis la semaine dernière, quand vous les avez vus. Donc, la dernière fois que vous les avez vus, ça devait être vendredi, je crois. Donc, j'ai tricoté tout ça depuis vendredi. Tout ça. Voilà. Donc, ça représente quelques centimètres. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que le soir, après 21h, 21h30, en fait, plutôt que de tricoter un des deux autres projets, je tricote ça parce que ça fait... voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et même si après, ce sont des côtes 1-1, j'ai pas de réflexion à avoir, ça se tricote tout seul. Et puis voilà. Et puis voilà. Il faut juste que je sache qu'à un moment donné, il faut que j'arrête. Pour aussi... pour avoir assez de laine ensuite pour faire le rabat. Voilà, et c'est tout. Donc c'est un taille 35 en 56 mailles et c'est le patron des Everyway Socks. Voilà, des autrices du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc elles seront bientôt finies aussi. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, j'ai toujours pas démonté. Vous savez qu'il faut que je démonte quelques rangs là de mon châle Fiber Face Shawl. Mais pour le moment, c'est pas mon urgence. Donc, pour le moment, il reste en stand-by. Que j'ai, on va dire, qui redevient, que j'ai un peu moins d'encours. Notamment des tests sur mes aiguilles. Ou alors, quand j'aurai terminé le Arno Series, alors je reprendrai un peu celui-là. Mais je veux liquider un peu. Et ensuite, je reprendrai celui-là parce que celui-là, il n'y a pas d'urgence. Le test, par contre, le Solaris, lui, il a une deadline. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré en fait ce matin. Donc, j'ai fait deux achats Vinted. Donc, celui-là, donc c'est un livre sur le tricot entrelacé, hein. Je l'ai acheté donc sur Vinted. Et il y a vraiment des trucs chouettes. Donc, je vais voir ce qui me fait envie. Voilà, il y a vraiment des. Bah, là, vous pouvez voir, en fait, il y a déjà des petites choses. Et j'ai vu, il y a même des petits sacs. Voilà, des châles. Des espèces de vestes. Voilà. Comme là. Voilà. Voilà, alors c'est pareil, il y a des bonnets. Ah voilà, c'est plus mieux comme ça, je dirais. Aïe. Ouais. Il y a un plaid. Voilà, il y a un sac bandoulière. Ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop,
Ça peut aller. Il y a un cabas. Voilà. Il est très chouette, là, le cabas. J'aime beaucoup. Il y a des chaussettes. Il y a un coussin, enfin, il y a diverses choses, donc je vais regarder. Et j'ai également acheté ceci sur Vinted, donc tricoté simplement. L'auteur, c'est Dorte Scapel, et là, l'auteur, c'est Rosemary Drysdale, je ne sais pas comment on dit. Donc ça, c'est aux éditions de Saxe, et ça aussi, c'est aux éditions de Saxe. Alors là, par contre, on va dire, c'est beaucoup... Moi, je suis plutôt tricot top-down. Et là, on va dire que c'est beaucoup plus du tricot bottom-up ou alors du tricot, on tricote tout à part et on coud après. Bon, alors tout ce qui est on tricote tout à part et on coud tout après, ça ne m'intéresse pas. Hein. Franchement, je vais être honnête avec vous. Hein. Le bottom-up, bof-bof, c'est pas trop mon kiff non plus. Mais il y a des choses, il y a des choses sympas. Donc, je vais voir les diverses choses qu'elle propose. Comme dit, c'est un peu spécial. Je voyais pas ça comme ça. Bon, maintenant, c'est pas désagréable. Hein. Voilà, elle utilise, par exemple, là, c'est un patron tricoté avec de la Sandnes Garn. Donc, voilà. Oui, en fait, c'est des patrons tricotés en bottom-up. Donc, énormément de patrons tricotés avec de la Sandnes Garn. Ensuite, elle est chouette aussi. Voilà, celui-là il est très très beau aussi. C'est aussi tricoté en Sandnes Garn. Alors ça, j'ai pas tout. C'est une robe ou c'est quoi ce truc? Voilà. Ça. Alors, elle donne des explications pour faire un mobile en pompon. Ah, voilà. Ah, ça, je suis sûre que ça va... C'est un truc qui plairait... Qui plairait à Véro pour sa petite fille ou son petit-fils. Voilà. Il y a vraiment de très très jolies choses. Hein. Il y a du point mousse. Regardez. Regardez-moi ça. C'est vraiment très joli. C'est une robe chasuble. Ou une tunique. Voilà, là, elles sont présentées deux demoiselles. Donc ça, c'est pareil. Ça a été tricoté en Sandnes Garn. Non, il y a vraiment de très très jolies choses. Là, il y a cette veste là, ou ce gilet, ou je ne sais trop ce que c'est. Pareil, c'est tricoté en Sandnes Garn. En fait, tout est tricoté en Sandnes Garn, je dirais.
Enfin, il y a des choses chouettes, voilà. Voilà, c'est pas mal non plus. C'est simple, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup. Après, il y a aussi le slip-over. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Puis, à voir après ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Donc, c'est tricoté simplement. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, je retourne demain pour vous montrer mes avancées, si j'ai quelques avancées. Et vendredi. Voilà. Bye. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 juin. Je n'ai pas tourné hier parce que pas le temps, pas l'envie, voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je n'ai pas tricoté grand chose. Enfin, tout est relatif. Si j'ai tricoté, mais pas que sur un seul projet. Voilà, pas sur plusieurs projets. J'ai tricoté que sur un seul projet. Donc juste pour vous montrer aujourd'hui, je porte mon top Duchesse de Noémie You Need to Learn que j'ai tricoté en Ecovita, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, de DMC. Et ça, c'est donc mon châle solaire. J'avais participé l'année dernière au MKL Châle Solaire organisé par Noémie et par les Chaux Solidaires. Donc, par You Need to Learn et les Chaux Solidaires. Donc, ça, c'était un écheveau de Tencel que j'avais teint avec la teinture solaire de les Chaux Solidaires et le patron Châle Solaire. Ça, c'est vraiment, actuellement, je dirais que c'est le châle que je porte tout le temps. Parce qu'en été, il est vraiment, là, la Tencel, c'est vraiment tip-top, quoi. Hein. Je trouve ça vraiment chouette. Et comme nous n'avons pas des températures exceptionnelles pour le mois de juin, je vous avoue que là, je porte ce top-là. Maintenant, je me demande si après, je ne vais pas mettre quelque chose avec un petit gilet encore par-dessus, parce que là, j'ai froid au bras. C'est là que je devrais porter mon Fairy Mist, mais je souhaite le mettre demain. Parce que demain j'ai un rendez-vous, donc je pense me mettre demain mon Fairy Mist. Mais alors c'est là que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de tricoter ce Fairy Mist. Ah ouais, non mais franchement, quand je vois, mais je pense que le Fairy Mist, ça va être vraiment pour l'année 2024, ça va être mon top de l'été. Voilà, c'est vraiment ouais. Alors il fait beau aujourd'hui, pour le moment il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Mais il ne fait pas spécifiquement chaud. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est censé être les journées les plus longues. Enfin, ce sont, c'est pas c'est censé, ce sont les journées les plus longues. Mais on a du mal. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme mouche? Voilà. Elle se... Faut que je remette... Alors, je sais que c'est moche, mais ça fonctionne bien, là, les trucs qui pendent au plafond, là, machin. Alors, je sais que c'est affreux, franchement, c'est dégoûtant, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais remettre ça. Donc, aujourd'hui, je me suis préparé une infusion verveine, tilleul, de menthe, des marmottes, deux marmottes, là. C'est un sachet vert. Ouais, c'est un sachet vert. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien cette infusion là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer mon unique avancée sur mon châle Solaris que je teste pour Christelle Nioul, donc Christelle Elka Design. Donc quand je vous l'ai montré mardi, j'en étais là, donc j'ai tricoté tout ça depuis mardi. Ça, hier j'ai tricoté 14 rangs, mardi j'ai tricoté 14 rangs. Voilà, ouais, ça... Et donc là il me reste encore 14 rangs pour finir le premier motif de chevron. Après, je sais plus ce que c'est. Voilà, donc... Mais j'ai regardé. Et je pense que je vais acheter une aiguille d'1,50 m, ou alors tant pis, je vais me démerder avec mes nids de pro.
Parce que à la fin, le cheval va faire 758 mailles. Non, mais ça rentrera pas sur un câble d'un mètre. 758 mailles. Vous vous rendez compte? 758 mailles. Mais c'est chevourte. C'est chevourte. C'est un chiffre, ça. Hein? Punaise. Donc, moi, je le trouve vraiment magnifique. Donc, pour rappel, je le tricote avec les laines de ma copine Maman au cœur de guimauve, donc Séverine. Donc, ça, c'est bleu de minuit. Ça, c'est safran. Bah, reviens, Marcel! Bon, je la récupérerai après parce qu'elle est allée à l'autre bout de la pièce. Elle est passée sous la petite table. Bon, elle s'est barrée. Désolée. Donc, on va vous montrer les échevins en espérant que cela ne parte pas. Hein. Voilà. Oh mince. Voilà. Ça, ce sont les échevins. Donc, c'est du 71% laine, 24% polyamide, 5% lurex. Donc, safran. Bleu de minuit. Bleu minuit, voilà. Donc ça donne ce résultat. Donc ça, c'est de la mosaïque. Hein. Ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Ouais. Bon, moi j'aime bien le rendu pour le moment. Je trouve ça pas mal. Comme ça, de le. Bon, on verra ce que ça donne bloqué, mais comme ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'elle revient, cette Marcelle-là? Attention. Attends, reviens par là, par là, par là. Désolée, j'ai rattrapé, j'ai tiré un peu sur le fil et ça va, ça ne s'est pas déroulé. Comme ça, accroche bien grâce au lurex. Ça ne s'est pas déroulé. C'est pas grave. Donc, mes embouts, c'est des embouts qui viennent aussi de chez Séverine, maman cœur de guimauve. Donc, voilà. Je sais que ça ne ressemble pas à une buffle, mais on va faire genre. Hein. Ah, il est vraiment très, très beau ce châle. Hein. Franchement, il est magnifique. De toute façon, quand elle l'avait montré, quand Christelle avait montré les premières photos, j'avais dit, mais quand tu fais le test, tu penses à moi. Hein. Forcément, quand elle a lancé le test, elle a pensé à moi. Voilà. Mais j'ai adoré. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, moi, je l'ai commencé il y a une semaine. Voilà, il y a une semaine, je l'ai commencé. Donc, aujourd'hui, j'essaye de terminer le premier motif de chevron. Ensuite, je ne sais plus sur quoi je suis. Je sais plus. Après, il y a un deuxième motif de chevron et après, il y a de la brioche. Et après, il y a un rabat. Voilà. Il est vraiment très, très beau. Bon, de toute façon, quand il sera, je veux dire, quand il sera lavé et bloqué, il sera beaucoup plus joli. Il rendra vraiment sur toute sa... Sur toute sa longueur, parce que là il est un peu bloqué par la taille des. Enfin, il est un peu rabougri pour le moment. C'est pas grave. Il est vraiment déjà. Je trouve que le rendu est déjà super chouette. Bon, de toute façon, comme tous les designs de cristal, quoi. Hein. Parce que là, donc, ça fera. Parce que le Arnaud Céris que j'ai sur les aiguilles, il est également de Crystal Elka Design, donc Crystal Nioul. Donc cette année, j'aurais tricoté entre, on va dire, mai, mi-avril et juillet, j'aurais tricoté donc le Fairy Mist, Solaris et le Arnaud Céris de Crystal Nioul. Ça va. Ça va. Et j'en ai d'autres, hein, des projets qui viennent, enfin des envies de tricot qui viennent de chez elle, quoi, hein, des patrons.
Ce que j'ai également l'intention de faire, je crois, c'est aux clémentines, il me semble. Et l'autre, je sais plus. J'en ai un en tête, mais je sais plus le. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Il n'y a pas de problème. De toute façon, là, je vais être assez, on va dire, chargée, puisque j'ai accepté un nouveau test. Mais pas pour Christelle cette fois, pour quelqu'un d'autre. Donc, nous verrons. Bon, ben, sur ce, j'ai plus grand-chose à vous montrer. Je vais plutôt me mettre donc au tricot. Je vais également passer à la boulangerie. Voilà. Je pense que je vais me mettre à bosser. Hein. Non, non, on va y aller tranquille, Mimille. J'ai envie de terminer la paire de chaussettes parce que là, je vais démarrer. Je vais peut-être encore faire un rang de jersey sur la paire de chaussettes. Et puis ensuite, je vais démarrer les côtes et je vais terminer tout le reste dans les côtes. Voilà. Et ensuite, terminer mon deuxième motif d'astère du Arnaud Céris et terminer les 14 rangs là, qui me restent sur ce premier motif de chevron. Alors, ça m'étonnerait que j'arrive à faire ça tout aujourd'hui, mais on tente notre chance. Qui ne tente rien n'a rien. Hein. Donc, on va tenter et puis on verra. Et je fais de toute façon à mon rythme, hein, comme ça marche. Il y a des moments, je vous dis en ce moment, je suis très, très fatiguée. Je suis très fatiguée. Donc, il y a des moments vraiment, même en forçant, je n'y arrive plus. Ça, voilà. Donc, plutôt que de faire des erreurs, notamment sur le test, je préfère arrêter que de forcer le talent, quoi. Hein. Parce qu'après, c'est vraiment. Hier, j'ai remarqué à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, au lieu de faire du jersey, j'ai tricoté du point mousse. Bon, je m'en suis rendu compte, c'était sur cette maille. Donc, j'ai modifié ces 7 mailles. Mais ouais, non, j'étais tellement claquée que, ouais. Du coup, vous faites des bêtises comme ça. Et puis c'est dommage, quoi. Ce serait dommage de devoir défaire plusieurs rangs ou de devoir rattraper plusieurs trucs à cause de juste une erreur, quoi. Hein. Donc, ça, c'est l'arrière du châle. Ça, c'est l'arrière du châle. Et ça, c'est l'avant. Donc, le motif est vraiment pas mal. Bon, après, là, c'est les 14 rangs qui suivent, ça va être assez répétitif. Donc, ça va. Ça va, je pense que ça va aller vite. Ça va être assez répétitif, hein, les 14 rangs qui restent. Donc, la mosaïque, ça fonctionne comment? Ça fonctionne différemment du jacquard standard. C'est-à-dire que le jacquard, bah, en fait, vous tricotez avec les deux fils en même temps. Donc, moi, je prends le fil principal dans la main droite et le fil secondaire dans la main gauche. Et puis, ben, vous tricotez le fil, la maille. Voilà, si par exemple, c'est trois mailles de fil principal, vous tricotez vos trois mailles. Ensuite, vous tricotez vos nombres de mailles en fil secondaire. Après, vous reprenez le nombre de mailles. Enfin, voilà, vous continuez à la suite. Alors que en mosaïque, en fait, vous prenez un fil, vous tricotez tout le rang, enfin toutes les mailles qu'il faut avec ce fil, vous glissez les mailles que vous ne tricotez pas, ainsi de suite. Ensuite, vous faites le rang retour. Et ensuite, vous faites deux autres rangs, donc un rang aller et un rang retour avec la deuxième laine. Et vous tricotez les mailles qui ont été glissées sur le premier rang. Je ne sais pas si je vous explique bien, mais enfin bon, bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, par exemple, le dernier rang que j'ai fait, j'ai tricoté toutes les mailles en bleu et les mailles en jaune, en fait, c'est des mailles qui ont été glissées que j'avais tricotées sur le rang précédent. C'est juste des mailles glissées. Donc toutes les mailles en jaune, là, c'est des mailles glissées. Ce n'est pas des mailles que je viens de tricoter, elles ont été tricotées le rang précédent. Et ça, c'est des mailles, là, que j'ai tricotées sur ce rang-là. Parce que je ne prends qu'un fil à la fois, du coup. Je ne tricote qu'avec un fil à la fois. Voilà. Et donc, ça donne ce rendu-là. Donc là, je ne sais pas si on voit bien le lurex. En tout cas, il y a du lurex dedans. Voilà. Et donc, le bleu est tricoté en mousse et le jaune est tricoté en jersey. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Ben, sur ce, alors, je vais déjà commencer à préparer le montage. Ensuite, demain, je filmerai de nouveau un peu.
Je pense plutôt le matin, ou alors vraiment en tout début d'après-midi, parce que après j'ai rendez-vous chez le médecin, donc le temps de terminer le montage, de mettre en ligne la vidéo et tout ça. Donc oui, ça risque de me prendre encore un petit temps, sachant que je fais tout sur mon téléphone portable. Voilà. Je n'utilise pas d'ordinateur, donc je n'utilise pas mon PC, je fais tout sur mon téléphone portable. Voilà, allez, sur ce, à demain! Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 février, il est 13h35, il pleut. Voilà. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait droit. Ça va mieux, je sais pas. Bon. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. J'espère que vous n'avez pas eu trop le mal de mer là, le temps que je vous ai bougé. Alors, aujourd'hui, j'ai une tisane, une infusion Peace Mémé de les deux marmottes, je crois. Voilà. Ça, c'est du nom de tisane. Et alors, au niveau tricot, je vais vous avouer. Aujourd'hui, je n'ai même pas encore touché mes aiguilles. Ce matin, j'étais vraiment KO, mais alors vraiment, voilà, j'y arrivais pas. C'était juste pas possible, je n'y arrivais pas. Donc, bon, ben, je vous montrerai ce que j'ai tricoté hier, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais voilà, j'ai réussi hier à tenir ce que je souhaitais faire, à part le fait que je n'ai pas avancé. On va dire, j'ai réussi à tenir ce que je souhaitais faire sur le châle Solaris. Après, j'ai avancé sur d'autres choses, mais il s'est quand même passé plein de choses hier. Voilà, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc d'abord, un petit coup de tisane. Et puis, c'est parti. Alors, mon châle Solaris que je teste pour Crystal Elka Design, donc Christelle Nioul. Je le tricote donc avec les laines de ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve, donc safran bleu de minuit. Attention, j'ai pas un chapeau. Attends, ça va, oui, c'est bon. Donc hier, quand je voulais montrer, j'en étais là. Là, j'ai terminé, on va dire, le premier motif de chevron. Maintenant, je suis sur un motif de je ne sais plus quoi. Donc, je vais continuer. Hein. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, ça, à la limite, je peux le faire avec quelqu'un d'autre. Hein. Je peux le faire un papotant. Donc, ça, à la limite, allez, je peux même l'emmener éventuellement demain au tricoté. Si maintenant je vais être tranquille, je fais ma chaussette. Si j'ai un peu plus le machin, je ferai ça. Donc là, je suis sur du tricot mosaïque. Il y a pas loin de 400 mailles, je crois, actuellement sur l'aiguille. Je le tricote en 4. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, je vais passer. Tant pis, je vais prendre mes nids de pro sur un câble de 150. Voilà. C'est. Ouais. Ça va être un peu grand parce qu'avec 758 mailles au final, ça va être immense. Donc la mosaïque, j'en avais jamais fait. Mais après, il suffit de se laisser guider par Christelle. Hein, ça marche tout seul. Donc le design de ce châle lui a été inspiré par les mystérieuses cités d'or, le dessin animé. Quand on était petite, voilà. Il est vraiment très très beau. Je pense que les couleurs vont vraiment très bien ensemble. Bon, il rendra mieux effectivement quand il sera bloqué. Ça, c'est sûr. Il rendra beaucoup mieux quand il sera bloqué. Donc c'est un mélange, on va dire, de là en jaune, je tricote en jersey, la laine bleue, je la tricote en mousse. Non, c'est pas mal. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. J'ai utilisé donc mes bloqueurs de chez Maman Cœur de Guimauve. Ça aussi, ça vient de chez Maman Cœur de Guimauve. En fait, là, à part le patron qui est de Christelle Nioul et l'aiguille qui vient de chez Rascol,
Tout le reste vient de chez Maman Cœur de Guimauve. Voilà, Maman Cœur de Guimauve, donc ma copine Séverine, que je vois d'ailleurs demain après-midi lors du café thé Les Nœuds à Urvillers au domaine des Bufflonnes. Ça y est, j'ai de nouveau glissé. Voilà. Désolée, je sais, je glisse sur mon canapé. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. Donc là, je porte le Fairy Mist de Christelle Nioul. J'ai testé donc le Fairy Mist de fin avril jusqu'à début juin. Le patron est sorti le 3 juin. Donc aujourd'hui, je porte mon Fairy Mist. Bon, de toute façon, je remettrai une photo hein, du Fairy Mist. Donc là, c'est la Fluffy de chez Association Flora. Et là, c'est de la Belladone de chez L'année Chaudron. Voilà. Comme ça, vous savez tout. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ce que je portais. Parce qu'aujourd'hui, vu le temps absolument superbe que nous avons, je n'avais pas envie d'avoir froid. Donc, je me suis dit, oh, je vais mettre mon Fairy Mist. Mais je suis déjà en train de me poser la question si je ne vais pas me retricoter dans une autre couleur. Parce que franchement, il est super, super sympa. Donc, il faut que je voie avec Alexandra qu'elle me teigne trois fluffy. Non, je ne sais pas encore quelle couleur. Je sais pas encore. Je verrai. Je verrai. Je verrai. Bon. Alors, voilà. Ça, c'était... Donc, j'ai terminé mon motif. Mon premier motif de chevron. Et après, je sais plus comment il s'appelle le motif. Bon, c'est pas grave. C'est pas très compliqué. En gros, je continue ça, quoi, sur plusieurs rangs. Enfin, avant, il y a encore un jeu d'augmentation. Là, j'aurai un rang avec pas mal d'augmentation. Ouais. Je sais plus combien. Enfin bon, il y aura plus de 450 mailles, je crois, après. Et ensuite, oui, on continue ce motif-là. Voilà. Donc ça va, c'est pas tellement complexe. J'arrive à comprendre. Donc comme dit, c'est vraiment la première fois que je tricote de la mosaïque. Donc vous tricotez une couleur après l'autre et pas les deux couleurs en même temps. Voilà, c'est du jacquard, mais vous tricotez une couleur après l'autre et pas les deux couleurs en même temps. Donc l'arrière, ça donne ça. On dirait du jacquard, hein, de toute façon. Bon, c'est vraiment chouette. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai déjà... Voilà, les cakes ont déjà pas mal diminué. Il faut deux cakes de chaque couleur. Hein. Et je l'ai mis dans mon petit pochon que j'ai eu pour mon anniversaire de Martine. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. All you need is love. Love. Et ouais. This is all we need. On va le ranger parce que ça... Alors, le temps que je fasse encore le montage de la vidéo et tout ça, sachant que à 17h30, j'ai rendez-vous chez le médecin, donc mon mari me récupère à 17h, je sais pas quoi. Voilà, on va voir combien de temps je vais... Je sais pas si j'aurai le temps de tricoter encore ce châle-là cet après-midi. Je ne sais pas encore, je verrai. Ensuite... Eh ben, hier, j'ai reçu une commande que j'avais faite chez Association Flora. Donc, c'est de la Deka. Je ne sais plus quoi. Ça doit être Mérino, Cachemire et Soie. Il me semble que c'est cela. Mérino, Cachemire et Soie. Alors, c'est du 100 grammes de 130 mètres. Ok. Est-ce que tu m'as mis quelque part un truc... Non. Non, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est du mérino, cachemire et soie. Ils sont vraiment magnifiques, les écheveaux. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très printanier, très doux, fort sympathique. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et alors, c'est d'une douceur. Oh! Oh là là, j'adore. Donc j'en ai trois des comme ça. C'est Mérino, Cachemire et Soie.
Donc, il y a un peu de tout. Donc là, il y a du rose. Donc, du rose, du violet, du vert. Voilà, c'est... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nuances. Hein. Mais bon, c'est donc mérino, cachemire et soie, c'est, on va dire, très, très souple. Donc là, j'ai déjà un projet avec, parce que il me semble, il faut que je vérifie, que Association Flora avec Séverine prépare un cal ou organise un cal. Donc il faut 3 à 4 échevaux de DK Mérino Cachemire et Soie qu'on achète donc, chez Association Flora. Donc vous recevez un patron de châle offert et vous pouvez participer donc après au cal organisé pour tricoter ce patron de châle. Donc il faut entre 3 et 4 échevaux que vous achetez chez Association Flora. Donc la DK là. Donc moi j'en avais là pour les 3 échevaux et les frais de port, j'en avais pour 74 euros. Voilà. Ouais, j'en avais pour 74 euros pour ces 3 échevaux. Là, je vais sortir le troisième. Le troisième est tout aussi magnifique que les deux autres. Hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. Voilà. Donc mes 3 échevaux. Oh, ils sont tout aussi. Quand je les ai vus, quand elle n'avait pas encore posté les photos en boutique, Alexandra, elle les avait postées sur Facebook. J'ai dit, écoute, Alex, c'est pas la peine que tu les mettes en boutique. C'est bon, je te les prends. Ne les mets même pas, ne t'embête même pas à les rajouter en boutique. Mais tellement beau. Regardez-moi ça. Vous pouvez, on peut que aimer. On peut que aimer. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Donc ça, ce sont mes 3 échevaux de chez Association Flora. Et elle m'a envoyé en cadeau des sockets Mickey. Voilà. Nickel. J'aime bien. Voilà, j'ai eu en cadeau des sockets Mickey. Elle évite maintenant de m'envoyer des gourmandises parce que bon, comme j'essaie de, comme je veux pas reprendre du poids, voilà, ça m'évitera de reprendre du poids. Ça m'évitera de reprendre du poids. Oh là 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 là. Oh, j'ai juste hâte de tricoter ce châle là pour me. Oh, juste pour avoir ça qui me touche la peau. Oh, c'est d'une douceur incroyable. Donc, Alexandra s'occupe. Elle a écrit quoi de nouveau? Notre petite association se trouve en Moselle, à quelques kilomètres de Kreuzwald. Nous recueillons les urgences boucherie et les vieux chevaux. Cette petite boutique me permet d'entretenir tout ce petit monde. Chaque vente est intégralement reversée dans l'association, que ce soit pour les soins, la nourriture et d'autres sauvetages. Voilà. Donc, c'est Association Flora. Et le site internet, il est noté dessus? Moi. Ouais. Alors attention, je vais ranger mes petits écheveaux. Désolée pour le bruit. Ils sont tous rangés dans un plastique quand elle me les envoie. Donc je vais les remettre dedans. Voilà. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Alors ensuite, j'ai eu une petite surprise hier après-midi. J'ai ma copine Esther, donc je crois que c'est Esther Chic Bretzel sur Instagram et sur Discord. Elle est venue me voir avec Poupette, donc enfin elle s'appelle pas Poupette, sa fille, elle s'appelle Liv, elle a 2 ans. Et elle m'a apporté des petits cadeaux. Enfin, petits, j'en ai quand même, donc les sacs sont à moi, mais j'en ai quand même 2 sacs pleins. Et voilà, 2 sacs pleins. Donc vous aurez reconnu, c'est les sacs que j'ai achetés cette année au Festival Breslaine avec le badge que j'ai eu en cadeau des mamans cœur de guimauve. Et voilà ce qu'elle m'a ramené. Des toiles.
toison à filer. Donc le blanc, c'est laine soie du... je sais pas quoi. Le gris, c'est de la coriédale. Ah bon, bref, elle m'a ramené de la fibre à filer. Vraiment super sympa parce qu'elle, elle ne la file plus. Donc voilà, c'est dommage. Donc là, j'ai de quoi faire. Là. Donc ça, c'est du 75% BFL, 25% silk. Il y a 110 grammes. Voilà, il y a 110 grammes. Et ça vient de chez Fairy Fiber. Hop là. Et ce serait vraiment dommage de perdre toute cette jolie laine. Moi, je peux toujours en faire quelque chose. Hein. Voilà. On va refermer. Donc, il faut que je l'aère un peu parce qu'effectivement, ça faisait quelques années qu'elle n'y avait pas touché. Donc, ça a une odeur un peu de renfermé pour le moment. Là, c'est pareil, il y a encore des trucs de chat dessus. Parce qu'elle a des petits chats. Voilà, donc j'ai cette toison-là, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a une étiquette? Non. Mais la couleur est sympa. Alors ça, j'ai... Mais alors... Oh, ça, c'est... super doux aussi hein. Oh là là, ça c'est d'une douceur, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique hein. Ça, c'est du 100% frais clan. Voilà. C'est pas mal doux non plus. Là, c'était 100% BFL. Franchement, j'ai absolument pas à me plaindre du tout, quoi. Hein. Ah, punaise. Ah, c'est quoi, ça? Ah, oui. Oui, oui, oui. Je vois ce que c'est. Et alors, ça, c'est du 50% Merino, 50% Tencel. Mais alors, c'est d'une douceur. Ah, et là, il y a 119 grammes. Oh, j'adore. Ça, c'était pour le premier sac. Ah là là. Non, mais j'ai été gâtée. Hein. Quand je dis que moi, j'ai été gâtée, c'est vraiment... J'ai été gâtée, quoi. Hein. C'est quoi, ça? Hop là. J'ai été franchement gâtée par ma copine Esther. J'adore. Maintenant, on va regarder le deuxième sac qui est tout aussi plein. Alors là, elle m'a même laissé son fuseau. Merci Makai. Donc là, il faudra juste que je retire un peu. Il y a a priori des
des petits copeaux de bois ou je sais pas quoi dedans. Je vais retirer. C'est pas très grave. Je m'en fiche. C'est vraiment très chouette. Franchement, elle filait super bien. Hein. Esther, tu filais vraiment à merveille. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Donc là, il y a encore un bout de cette même, de cette même fibre. Là, j'ai ça. Donc, c'est un mélange de... C'est la Palalina, je crois. Ah non, ça doit être quelque chose d'autre, alors. Ah, cette fibre-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mmh. Là, c'est pareil, un super truc aussi. Je vais pas ouvrir là, mais ça a l'air aussi super sympa. C'est aussi dans les tons verts. Là, c'est sur d'autres tons, plutôt bleu. Voilà, ça c'est un ton plutôt bleu. Voilà. J'essaie de retirer un peu les petits trucs de bois là qui ont été laissés par les chats. Tant pis, je perds un tout petit peu de matière, mais c'est pas grave. Et là, je ne sais pas ce que c'est écrit dessus, 100% mérino, 100 grammes. Et là, c'est nouveau blanc sécurier dalle. Et le marron là, c'est de l'alpaga. Non cardé. Donc, je vais voir. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est, ça doit être des échantillons, des choses comme ça. Pas mal non plus. Je ne vais pas... Je ne pas tout, tout. Et ça, je crois que vous l'avez déjà montré. Ah non, c'est encore un autre. Non, parce que l'autre est là. Voilà. Donc, c'est encore un autre. Mais dans les mêmes tons verts. Elle est très serpentard, en fait, ma copine Esther. C'est une serpentard. Mais je l'adore. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Alors, merci beaucoup, Esther. Franchement, c'est avec un grand plaisir que je prends. Voilà, ben c'est avec un plaisir non dissimulé que je prends toutes tes beautés, Esther. Oh là là, oui. Et je vais avoir de quoi m'éclater. Ah, super. Ah, punaise. T'imagines même pas à quel point je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, tu t'imagines même pas à quel point je suis contente. Yeah, je vais pouvoir m'éclater. Voilà. Donc... J'avais peut-être pas grand-chose à vous montrer en avancé tricot, mais alors, j'avais d'autres choses à vous montrer et je pense que c'était tout aussi bien. Donc, allez, il faut que je me remette au fuseau. Il faut que je travaille sur mon Solaris. Ce soir, je sais que je vais travailler sur ma chaussette un peu pendant que je suis chez le médecin dans la salle d'attente. Parce que bon, plutôt que d'attendre bêtement que le temps passe, je vais tricoter un peu. Demain, donc, il y a le café thé laineux et au domaine des Buffelones. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le festival Breslaine qui aura lieu cette année en février. Je crois que c'est le 8 et 9, un truc comme ça. Je ne sais plus. De toute façon, je vous mets la petite image. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Ai-je oublié quelque chose? Donc, n'oubliez pas, il y a les boutiques donc, où c'est que moi j'achète mes affaires pour, enfin, ce que j'utilise
pour rappel, chez Association Flora. Donc, sur Internet, vous tapez Association Flora. Sinon, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Chez Maman Cœur de Guimauve, bon, moi, je n'achète pas sur Internet, puisque moi, j'achète directement chez elle. Chez ma copine Croche Tamaille aussi, même si je ne crochète pas, j'aime utiliser ce que j'achète chez elle. Ça marche très bien pour le tricot aussi. J'achète chez Rascol. Et puis après, ben, chez les teinturières, chez Drops, par exemple, chez Calidou, pardon. Drops, j'achète chez Calidou. Et puis, lors des festivals, c'est vrai que j'achète très peu hors des festivals. Ou alors, j'achète en déstage, donc les personnes qui vendent le stock de laine qu'elles ne vont pas utiliser. Voilà. Comme ça, vous savez à peu près tout. Donc, chez moi, ben voilà, vous trouverez, comme dit, de l'haricot, aussi bien de l'haricot que de la drops, que de la laine de teinturière. Je ne tricote plus de fil d'art ni de bergère de France. Voilà. Voilà. Ouais, non, chez moi, ce sera effectivement essentiellement haricot. Je dis pas, j'ai aussi un peu de fil d'art. Je dois avoir quelques échevaux de fil d'art, je pense. Enfin, pas échevaux, pelote de fil d'art, je pense. Si je cherche bien, je dois en avoir encore. Et non, sinon, effectivement, c'est essentiellement de l'haricot que je tricote en laine industrielle. Et de la drops. Et de la drops, ouais. Chez drops, j'ai surtout de la baby merino, de la brushed alpaca silk. Et je crois que c'est tout. J'ai déjà tricoté la muscat et j'ai déjà tricoté la merino extra fine chez Drops. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Ah si, je sais que j'ai encore des pelotes de coton un peu plus fin chez Drops, mais je ne sais plus quelle qualité. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait vivre la chaîne. Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope, sur Discord sous l'univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. Allez, bye, à la semaine prochaine.